Voilà. Comme ça a l'air bien. Allez. Bon alors, les quêtes. D'accord, journal, chasseur affamé. Viande plantain aidé. C'est là maintenant. Alors, il m'en faut. Je vais en prendre autant, ça ira. De la viande. Hop. Et le plantain. Je l'ai vu. Voilà. Voilà. Maintenant, carte. Allons là. Mais ça, il y a le petit trigger. Eh bien, on va voir là. En espérant qu'il y ait une quête qui me donne des points d'agriculture, parce que là, en compétence d'agriculture, je suis à combien? Ouais, 944 sur 1500. C'est très long, beaucoup trop long. J'en suis là. D'ailleurs, ouais, j'ai reçu une lance en fer. Donc voilà. Toi, comme ça. Ah oui, donc on peut avoir que 50 flèches d'équipées. Il y a une compétence qui permet d'en équiper plus. Mais c'est stupide. Parce qu'aucun animal, à part l'ours, nécessite plus quelques flèches. Même le bison, c'est 3 flèches dans la tête. Enfin, 3 ou 4. Sinon, c'est sans importance. Bien sûr. Journal. 250 ans d'agriculture. Une hache. J'ai pas pris une hache.
Bien sûr, je me suis pas équipé d'une hache. Mais j'ai pris ma pioche. Donc, en 4. Sérieusement, une pierre. Oh, mais sérieux. Je veux la pierre. Une branche de bois. Plus. Non, c'est bon. Hop, une hache. Et en 4. Et on va couper des arbres. Faut que j'en coupe 20. Normalement, ça devrait être suffisant pour couper les 20 arbres. Ça serait bien que ce soit 20 arbres qui soient spécifiques et qui construisent vraiment un champ. Le problème, c'est que ça limiterait le nombre de quêtes possibles. Puisque, à part notre village, il n'y a aucun village qui évolue. À part celui-là au début. Qui construit. Comment ça s'appelle? La barricade. Allez, plus de 2 arbres. Encore un. Parfait. Ce qui fait que ma compétence là, j'ai pas gagné 250. Et là. Ah! Donc si je regarde, que je regarde là. Ah, c'est 200 en agriculture. Donc l'agriculture, c'est pour les têtes. Ah, mais en même temps, ça porte le même nom. Moi, je suis désolé, mais bon.
exactement le même nom. Vous voulez que je me trompe pas? Par là. Là, c'est vraiment que l'agriculture qu'il faut que je monte. Le reste, ça montera tout seul avec le temps. Mon plus gros problème, c'est l'agriculture. En même temps, je me suis mis beaucoup trop tard sur cet arbre technologique. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec deux grosses lacunes dedans qui me bloquent sur plusieurs autres arbres. Toi. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Un pain aux céréales. Je vais avoir un problème parce que je suis pas sûr de savoir. Bon, d'accord. Ça c'est gênant. Le pain aux céréales. Est-ce que là ils en ont? Bon, je vais juste faire ça. On verra après. On va déjà aller prendre la quête là-bas. Sauvegarder. Ah, il y a des loups. J'ai pas envie de me faire choper par les loups. Ouais, barre-toi. Non mais c'est pas possible par contre, les lances. Qu'est-ce qu'elles peuvent se détruire vite? C'est une lance en fer, c'est la meilleure lance du jeu. J'ai mis un coup et j'ai perdu combien de dura? 5% de durabilité en un seul coup. Ah, pourquoi ils aboient maintenant, ouais. Ah, bordel. Bon, je vais voir pourquoi les abos.
Bordel, c'est Cleps quoi. Non, il y en a encore un derrière. Ah bon? Bon bah. Mais c'est bizarre quand même, le premier que j'ai tapé tout à l'heure, il n'est pas mort instantanément quand je lui ai mis un coup. Au moins que ça puisse en toucher plusieurs d'un coup et que là, les deux coups que j'ai mis, ça les a touchés à deux en même temps. C'est possible. Faut voir, faut voir. Qu'est-ce qu'il y a une quête ici déjà? Ça tombe bien, c'est dans l'auberge, je crois. Non. Voilà. Là-dedans? Bien sûr. Attends, on va faire un feu de camp. J'ai une torche au moins. J'ai pas pris de torche. Ah. Comment je pourrais faire? Est-ce qu'il y a un feu de camp quelque part? Il est pas installé un feu de camp pas loin. Qu'est-ce qu'il faut pour crafter un feu de camp? Celui-là, il faut. Ah, mais non, mais même si je construis un feu de camp, j'ai pas assez pour construire une torche là. Ouais, bâton et paille. Bien sûr, la paille, il n'y en a pas par ici. Comment je pourrais faire? Qu'est-ce que je fais au fait comme réglage là-dessus? Bon. Vous avez quoi comme stats? Pas ouf. Une torche qui traîne. Un sac. Ça c'est du lin. Non. Ils ont même pas une torche. Ils ont pas grand-chose, une torche. Mais une torche.
Non, c'est une pertuis. Non. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une foutue torche dans tout ce village. Et maintenant, plus qu'à m'éloigner. Alors, voyons s'il y a 2-1 du pain céréal. 2-2, qu'est-ce que c'est la quête? Toi, t'as pas de pain. Et je crois qu'il n'y en a aucun qui en vend du pain aux céréales. Et ça me donnait quoi comme quête sinon? 300 d'artisanat. On va ça pour l'instant. Et ouais, bah ce sera sans doute chasser plusieurs loups ou autres. On se parle. Les quêtes. Toi, ça va être encore une hache ou un marteau. La deuxième quête. Qu'est-ce qu'il y a comme quête? D'accord. Pierre, paille, rondin. Pour les rondins, ça va être chiant. Non, il me faut de la paille. Il n'y a plus de la paille ici. Ah, si. Non, c'est bon. Les pierres.
On voit combien déjà? 30. Non, 30 vierges. Donc il en faut quand même beaucoup plus. Alors, voyons voir. Ça, c'est le plantain de l'hypertuie. Voilà. Bon, j'ai déjà la paille, j'ai déjà les pierres. Ouais, c'est quand même des rondins. Pas des vrais rondins, ça. Où est-ce qu'il y a des rondins dans le village? Non. Après, j'ai combien de dynasties? 1110. J'ai combien d'argent aussi? 800. On se m'en reste que 1. J'ai de la bouffe. Pas de la cuite. Il me manque encore voilà. Maintenant. La chasse de nuit, ce sera pas tout de suite, donc je peux retourner au village. Allez, presque.
coup ce serait 300 d'artisanat, donc c'est pas une grosse perte. J'ai déjà tous les bâtiments d'artisanat. Mais celle qui me manque vraiment, c'est le bâtiment de... Comment s'appelle déjà? Alors, on peut remettre la pouffe là-dedans. Et il va falloir que je fasse des marteaux. À moins que si on éprouve. Oh. Et je vais aller loin avec ça. Ah. J'ai plus d'espace parce que j'ai... trop de fer. Ça commence à poser problème, ça. Attends, gestion. Je peux peut-être enlever un des mineurs. Toi, un des deux mineurs. Casimir, qui s'appelle. Voilà, en bûcheron. Ensuite. L'autre, il n'y en a plus. Couture. L'autre est bien en pêche. Bon. Ouais, mis à part en pêche et en extraction, tu sers à rien, toi. En chasseur. Bon bah on va te mettre là. Ce truc là je vais pouvoir l'enlever je pense. L'abri d'extraction c'est Cimérade. Cimérade, où est-ce que t'es? Toi. Non, c'est Cimérade, je vais te relocaliser dans la, ici peut-être. On dira fuir. Ensuite, elle coûte même pas. Mio. Cimérade, tu vas là. Dans l'abri pour roi, je vais mettre... Toi... Dans la porcherie... J'ai un tailleur là... Je crois que j'ai deux artisans. Zimond. Pour les porcs.
Ça, je vais laisser là. Voilà. Maintenant, si je fais ça, c'est bon. J'ai beaucoup trop de ressources là. Faut que je vois comment me libérer de ressources. Est-ce que je peux pas encore... Non, pas encore débloqué. J'ai trop de ressources, beaucoup trop. Que faire, que faire? Qu'est-ce que j'ai tant pour regarder? Toi, je peux t'enlever comme ça. Bon. Non. Non, ça a pris que de 10. Gestion. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à la registration? Non. Tant mieux. Bon, par contre, le calcaire fait trop.
Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Il y a 5. Ouais, non, les 301 de fer, c'est beaucoup trop. Déjà, on va les boire. Le truc que je trouve le plus gênant dans tout ça, c'est que on n'a pas de truc pour vendre automatiquement. Parce que quand on regarde, pas vraiment de vendeurs. Ils ont beau les appeler les marchands, ceux que tu mets dans les bâtiments de ressources. Bah, ça rapporte pas d'argent. C'est des betteraves, là y a rien et là y a rien. J'ai pas regardé. Oui, non, mais voilà. La bouffe, j'en produis beaucoup. Enfin, j'en produis pas tellement que ça de la bouffe. Quand je fais des récoltes des champs, et quand tu récoltes un truc où il y a 4 ou 10, t'en récoltes plus quoi. Que je trouve une solution parce qu'à long terme on n'arriverait pas à m'en sortir. Non. Et tu as de l'argent. Donc, voilà. Alors, on va aller acheter une noix mâle et une noix femelle. Ça coûte combien? 1500. Donc là, il me faudrait encore. À peu près 500. Ça va venir. Montre-moi tes marchandises. Déjà. Ça. Ensuite. On fournirait même pas 500, mais bon, ça tenait des légères dans 25. L'arc long, je garde. Cette hache là, je peux la vendre, ça ne sert à rien. Je les voyais pas à la vente, je me posais des questions quand même. Alors, il faut que je trouve dans les 200 de ressources. Voilà.
que j'en ai assez en faisant ça. Alors, toi, alors maintenant, les champs, c'est ok. Il me reste un coq. Pourquoi j'ai un... Voilà. Donc là, il faudrait que je me refasse encore quelques milliers. Et ces quelques milliers, il faudrait que je produise... Ça, il faudrait que j'achète une... Je dirais deux poules. Je m'achète deux poules et deux cochons. Pareil, un mâle, une femelle. Et pour ça, il peut falloir que je refasse quelque chose. Déjà, je vais prendre 500 de paille et en faire des chapeaux parce que ça devient trop chiant. On peut pas avoir une technologie par exemple pour ça. Même dans couture. Des chapeaux de paille. Non, il n'y a que ça comme chapeau de paille. Déjà là. Ouais. Ensuite, le cuir, je vais le prendre aussi. Le calcaire, faut que j'aille le vendre. Bois de chauffage, j'en ai plein. Les pierres, les planches, les rondins. Ça, je prends. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ah oui, 50 de paille. Ah, ça, je suis trop lourd. Bon, laisse ça là pour l'instant. Allez, c'est trop lent. Si j'ai plus besoin de ressources de craft.
C'est que je regarde. Désolé, mais non, bouge. Oula. Oulala. Ah, je vais enlever ça. Voilà. Alors maintenant, ça va dedans, ça va dedans. La paille. Non, pas ça. Long. Ça c'est donc j'attends une lampe de phare, donc autant le faire maintenant. Là, là, hop. Là. Encore attendre. Qu'est-ce qui prend tant de place? Bon, ça arrive dedans. Ça j'enlève. Ça
ça je vais laisser dedans. Les planches, les plumes et tout le reste, ça va. Gestion, toi, abri à bois. Prends du moins de rondins. Prends du plus de ça. Moins de planches. Plus de bâtons. Moins de rondins. Plus de bâtons. Maintenant, toi, je prends toi. Après que je me serai libéré. De ça et ça. La lance, ça peut aller dedans, la pioche, ça peut aller dedans. Le reste, ça reste. Ce qui fait que j'ai combien? J'ai... Oh, ça va. Des bâtons. Ça me fera toujours marrer la façon dont je déplace en vitesse. Plus de bâtons. Oh, c'est vrai, bon. Allez. Non, mais ça va être long.
suivant. Je vais laisser un truc par contre sur le net. Bon bah le temps que le craft se fait, je vais juste vérifier ça. J'en ai pour 2 secondes. Alors, non, c'est bon, voir déjà ça. C'était quoi ce truc? Ah, c'est chiant. Ah bon, ça c'est pas grave. Hop, on reprend. Combien ça m'en fait? 30. Donc là j'ai 1004, 1000, 2000. J'ai 2100. Donc j'allais vendre ça, m'acheter 2 poules. Et ensuite ça va être autour des 2 porcs. C'est tout ce qu'il me reste à acheter de toute façon. C'est le seul moyen que j'ai de pouvoir augmenter encore plus vite ma compétence d'agriculture, enfin, surtout l'arbre technologique. Enfin, je pourrais faire des champs immenses, hein. Et le problème, c'est que j'aurais pas de quoi stocker tout ce qui est produit, donc aucun intérêt. Bon, j'aurais pu aller directement dans le village d'abord, c'est celui-là qui vend les poules normalement. C'est pas grave. Ouais, t'as encore assez d'argent. Voilà. Toi, non. Là. Il y en a un qui est dans le bâtiment. C'est toi, hop. Bon, ben, il me reste plus qu'une idios. Pourquoi j'ai.
remplacer les deux oies, un mâle et une femelle. Il me reste un coq. Je vais acheter deux poules. Enfin, si j'ai les moyens. Mais je sais plus, je crois les poules c'est 700, un truc du genre. À moins que ce soit des poussins. Si c'est les poussins, c'est chiant parce que mon coq il est déjà. Il a 2 ans, bientôt 3 ans. Après, j'ai pas compris. Ils vont de quoi pour nourrir toutes les bestioles? Et ma poule est quand même morte. Donc, allez comprendre. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que t'es toi? Oh, 950. Voilà, une poule. On peut faire un coq. Voilà. Maintenant, où est-ce que c'est les porcs? Là, il n'y en a pas. Là non plus. Tu veux dire que c'est là les porcs? J'ai pas mon arc de cul. Je vais passer par la grotte aussi. Voilà. La grotte est censée être par là. Là-bas, juste derrière ce. Derrière cet arbre là. Ouais. Je sais pas si ça avance plus ou pas. Non. Bon.
mis les autres par ici. Aïe. Oui. Les cochons, combien ça coûte? 950 ou 1009? Donc c'est 1009. Ça va coûter cher. On va déjà retourner à la maison. Donc là, il me faut 3800. Ah, on aperçoit le village. Ah, j'ai un village. Je vais juste regarder ça pour la prochaine maison. J'en suis pas sûr que ça. Bon, pour ça, c'est encore pour un petit moment. Pour ça, la grange est proche. Sauf que ben moi, il faut que j'aille jusqu'à l'écurie. Donc, ça va être long. Pour ça, j'ai déjà tout. Donc, alors que je prenne de la bouffe en passant. Alors, qu'est-ce que je fais? Deux marteaux, 50 flèches. And
mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Non, on peut pas l'améliorer ça. De la bouffe. Tac. Non. Pas les potages. J'ai encore les 7 chapeaux. Regardons un peu là-dedans. Une poule, une coque. Il n'y a rien dans le sac. Où elles sont mes oies? Elles ne sont pas encore là? J'ai juste regardé là-dedans. Journal. Dans ça. Les animaux. Attends. Si je fais ça. Qu'est-ce qu'il faut que je m'imagine pour que ça me pèse si lourd? Le calcaire, sérieux? Du poil calcaire. Je vais en garder un petit peu, tu vois là. Voilà. Il est en train de me crafter des flèches et tout ça. Là, on n'est pas censé pouvoir contrôler l'héritier. J'ai encore une mère qui était bonne en quoi? En craft, en ferme, en minage, en chasse. Elle est un petit peu polyvalente, elle. Le seul truc qu'elle n'est pas bonne, c'est... Elle ne peut pas travailler, je sais, mais bon, j'aurais essayé. Après, il y a certains des enfants qui ont des bonnes stats. Là, par exemple, là. Ici, c'est très bon, ça. Ça, c'est bien. Ça aussi. Bon. Faut que je vais... Non, mais recule-toi. S'il te plaît.
Kali. Alors, c'est censé être le plus vieux des enfants du village. Gestion, si je regarde le truc de. C'est forge. Là. Et où la flèche? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Ah oui. Il y a même beaucoup de choses. Il y a un truc à poisson. Bon, non, dans le truc à poisson, il n'y a pas grand-chose. Là-dedans, d'accord. Là-dedans. Il y a masse de graines. Des tonnes de graines de blé. Bon, je peux bien en prendre la moitié. Des tonnes de graines de lin. Je peux bien en prendre la moitié. Même plus que la moitié, en fait. Je peux en prendre les trois quarts. Ça ne gênera rien. Le seigle, pareil. Ah oui, c'est vrai. Je peux remettre du calcaire. Pas de mauvaise chose, après, que le calcaire. Du calcaire, du calcaire. Là. Parfait. J'ai pas oublié un petit truc. Bah, je veux bien, mais bon, j'attends le lendemain soir de Peterpet, donc. À moins que ce soit ce lendemain soir. Chasser loup et sanglier. Non, loup, sanglier ou ours. C'est un petit peu trop. Allez, un vendeur. Toi. Non, bah toi, t'as plus une thune, donc non. Toi. T'as plus une thune non plus, donc non. Des masses dessus non plus. Bon, on va aller voir en face.
de ce village, je vous ai pas encore touché, donc... Mais par contre, vous avez que dalle. Ça, ce sera bien. Bon, c'est pas grave. L'autre magasin, il est là-bas. Mais pour l'instant, je peux pas. Mais par contre, je peux faire. Déjà sauvegarder. Et 3008, ça peut se faire assez rapidement. Là, déjà, je pense que je vais monter à 3002, 3003. Bon, par contre, attendre le lendemain soir, c'est bien beau, mais bon. C'est le genre de quête, si tu la prends pas dès le premier jour, t'es baisé. C'est vrai, il y a une vision de ce côté. Les vendeurs sont pas encore couchés. Mais normalement, il y en a un qui patrouille. Encore deux maillets. 3500 livrettes. C'est pas tant que ça. C'est pas 10, ouais, c'est pour... mais attends, mais c'est pour que la récompense. Ouais, bon d'accord, ça vaut pas le coup. Autant perdre les quelques points de dynastie que je vais perdre. Après tout, j'en ai 11 000 et 11 000 passés. Demain, c'est plus rapide pour récolter. Voilà. On va continuer à récolter.
Ouh, il y en a plein là. Regardons quand même un coup. Nous continuons de nous rapprocher. Hein. J'en ai combien là de. Ils sont pas assez, mais bon, je pourrais toujours en récolter près de chez lui. Ah, c'est juste un tennis. Mais j'y suis presque. Je verrai bien ce que ça donne, mais bon. Non, je crois que je suis à 3500 en passé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Non, pas encore ce jour. Bon bah un petit peu de temps. Allez, on va se mettre plus près de l'eau. Par contre, est-ce qu'il va y avoir un event? Quoi? Oh super la mine en plus. Oh non et ça me réveille ici. Bon. Qu'est-ce qui est endommagé? Non, elle est lunaire, donc elle va pas travailler encore. Tout ça sert à rien. Bon. Qu'est-ce qu'il va falloir? Oh non, mais plutôt par contre que ça détruit l'amélioration. Un rondin et des pierres. Des planches. Oh putain, toutes les baraques. Le rondin et le reste en planche. Bon, ce qu'il veut de planche devrait faire pour réparer quelques trucs. Ah non, ça réparer complètement.
installer ça, celle-là. Celle-là aussi. Bon, il n'y a pas une pierre qui traîne, que je finis celle-là au moins. Ah bah non, bah, de toute façon, il va pas revenir. Alors, beaucoup plus. Des planches. Des planches, des planches, des planches. En fait, il va falloir que j'aille réparer la mine. Oh, ça y est. Les pierres. Les planches. Qu'est-ce qui est encore endommagé? Ça. Il faut de la paille. De la paille, des bâtons. Oh, il y a plein de poussins. Attends. Animaux, poulet. Oh, tout plein de poussins. Animaux, oie. Ça a bouffé beaucoup de... Non. Ça a bouffé. Non. Est-ce que ça a bouffé du blé? Non. Est-ce que ça a bouffé? Non mais... J'en peux plus, c'est bestiole. Bon. Des cailloux. Je vais avoir assez de cailloux. Maintenant, faut que j'aille chercher des planches. Un peu de paille aussi. Hop, prends ça. Prends pas de planches pour l'instant. Celle-là, c'est fini. Bon. On va poser les pierres. On va prendre plein de planches et avec pareil elle va vous continuer. Attendez, ça fait que si elle continue là. Qu'est-ce qui reste endommagé? Ce toit là-bas? Gestion, bâtiment,
La grange. Voilà. Mais endommagé, il n'y avait pas la mine. Ma grange est vraiment un sale état. Qu'est-ce qu'il donne à bouffer à ces trucs? Mais les oies, les poussins, mais bon, inventaire 3514. Maintenant je peux faire ça, 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 ça on met là-dedans, le plantain, ça je prends, le calcaire je vais le laisser dedans, c'est pas important, ce qui est important c'est de regarder qu'est-ce que j'ai comme pourriture. Allez, descend, ils vont en avoir. Voilà. Pourquoi il y a des graines de chou là-dedans? Bon, c'est pas grave. Là-dedans, il y a quelque chose ou pas? Non. Là-bas. Pour une fois, c'est pas lui qui m'en demande. La couturière? Ah, c'est là-bas. Non, pas là-dedans. On va faire de l'engrais. Et je vois pas pourquoi j'ai ça sur moi, mais bon, c'est pas grave. 91. Ah oui, c'est là. Et ben là, non, bah ça en prend du temps.
j'allais voir tout ce que tu viens de récolter. Je pense qu'il y a des betteraves normalement récoltées. Après, s'ils sont partis direct en mode semer. Bon, ça c'est bientôt fini. Ouais, 91 d'engrais, je pense qu'ils en auront assez pour cette saison. Bon, là, je pense que je vais aller acheter les cochons et arrêter le stream. Maintenant, allons regarder là-bas. Ça va être de l'avoine. J'ai juste à y mettre ça là-dedans. Tout en vérifiant ici. Ils n'ont pas mis de grains là-dedans. Non. Je regarde, il n'y a pas de grain là-dedans. Si, il y a ce qui me semblait. Ouais, parce que quand tu les laisses faire, ben, ils font n'importe quoi. C'est pas censé y avoir les grains là-dedans. Déjà mis tout là-dedans pour l'instant et on va aller chercher. On va aller chercher ces cochons. Le seul truc que j'attends vraiment là avant d'arrêter de stream dessus, c'est surtout d'avoir le cheval. Mais le problème c'est que c'est beaucoup trop long. Avoir le cheval va prendre une éternité.
faudrait juste que je vérifie. Par contre, c'est dans le bois. Et. Comment ça s'appelle? Et ma bouffe, à quel niveau j'en suis? Ça doit être du niveau acceptable, donc. Ben voilà, en bois ça continue d'augmenter alors que. Bah, y a qu'un bûcheron, je crois. Ouais, c'est bien ça. Et la nourriture, c'est même pas une question. Par contre, il va me falloir du temps avant de débloquer les autres éléments de l'arbre technologique de l'agriculture. Mettre une petite sauvegarde quand même. Allez, les portes, c'est les seuls animaux que j'ai pas encore. Allez. Le mal. Voilà. Maintenant, carte. Ici. 700. Donc. Voilà, c'est plus court. Retourner au village. Au moins pour sauvegarder dans le village. Allez, on y est presque. Alors. Normalement, ils vont tous faire de la production là-dedans. J'ai mon porc. Pourquoi porc mâle et cochon femelle? Si c'est juste marqué les appellations. Et normalement, c'est doré et truie. Regardons un peu. Ah oui, c'est vrai. Eux, ils font n'importe quoi. Ils vont tout mettre là-dedans.
Non, ça. Ça n'a rien à faire là. Ils ont fini au moins. Ouais, mais le seul qu'il avait à planter pour l'instant, c'était le blé. Et c'est fait. Donc maintenant, il n'y aura qu'à remplir les quêtes. Et ça, j'y suis presque, mais pour l'instant, c'est ça, la grange. Et on va construire la nouvelle grange à côté de l'ancienne. Il faut quoi? Une Gironda. En gestion, ça baisse pas mon bois, ça. Il va me falloir des masses de rondins et 2 jours de la paille. Donc ce qu'on va faire, c'est gestion, toi. Ah non, il y a quand même 2 bûcherons. Produit moins de bâtons, produit pas de planches pour l'instant, coxy, mais produit plus de rondins. Et pour l'instant, ça va être la fin du stream. Comme ça, une fois, voilà. Allez, c'est bon pour cet après-midi.